pas s'il y avait une belle équipe d'Agen qui lâche rien non plus. On s'est fait peur, mais comme je l'ai dit, le groupe a eu du caractère et a allé chercher cette victoire, d'autant plus bonifiée. Donc on est très heureux ce soir de se mettre la tête à l'endroit. Ouais. On n'est pas capable d'avoir cette constance pendant 80 minutes. On fait une très bonne première mi-temps contre le vent, même si parfois on s'est un peu trompé en jouant beaucoup devant la défense et un peu sur les largeurs. Mais je crois que ça les a usés. En deuxième mi-temps, on rattaque le match plutôt de bonne manière, marquant JTC directement. Et à partir de là, on a une panne de lumière pendant 10 minutes à peu près. Il marque sur deux essais un peu en contre, quoi, un truc improbable. Mais par contre, ce que je retiens, c'est qu'on aurait pu être en grande difficulté parce que quand tu passes de 21, je ne sais pas combien, à 28-21, on aurait pu sortir du cadre, trembler. Et là, je crois qu'au contraire, les mecs sont. On ne s'est pas éparpillé, quoi. Voilà. On ne s'est pas éparpillé, on est resté concentré. Et finalement, on a obtenu ce qu'on voulait obtenir avant le match, c'est-à-dire gagner avec le bonus, quoi. Ça va nous faire du bien à la tête. Maintenant, on s'attend à encore un plus gros match à Oudina. On connaît cette équipe, comment elle est chez elle. Donc, ça va être un match après compliqué pour nous. En plus, on n'a pas beaucoup de temps de récupération. Donc, on va bien récupérer pour être frais samedi prochain pour aller faire un bon match à Oudina.